tu sais que je t'aime. Arrête ça Gabi s'il te plaît. Comment je vais expliquer ça à Gabi, pour qu'il sache que je ne veux pas une relation? Vraiment toi, alors comme ça, tu t'es rappelé que tu avais une sœur. Où se trouvent les diamants? C'est donc toi, enfoiré, je ne te dirai jamais où se trouvent ces diamants. Dans ce cas tu vas mourir mon cher ami. Que passe-t-il alors? Qu'est-ce que tu as encore fait? Peu importe ce que j'ai fait, sache qu'ils vont me traquer jusqu'à ce que ma vie s'arrête. Vie. Va te faire foutre pauvre imbécile. Tu ne paies rien pour attendre quoi? Vous pensez me faire peur? Je n'ai plus rien à perdre. Qu'on en finisse. Oh non, il est déjà 8 heures. Mon Dieu. Elle se précipite pour aller au travail. Arrivée au travail, là ce que tu lui dis. Le boss te demande. Moi, d'accord. Elle acquiesce et s'en va après ça. Je termine ce que je fais et monte voir le boss un peu hésitante quand même, j'espère que ce n'est pas grave. Une fois devant la porte que je toque, il me demande d'entrer d'une voix puissante, ce que je fis. Installez-vous, je vous prie, vous vous sentez bien, car vous m'avez l'air un peu faible aujourd'hui. Assez bien monsieur, juste la fatigue mais ça va. Oui ça se comprend, avec les études et le travail ce n'est pas facile pour vous alors. Je vous accorde au moins une semaine de congé, je n'en reviens pas, ne vous en faites pas, votre prime passera toujours. C'est gentil monsieur mais, je me sens mieux. Calmez-vous, vous aurez toujours votre prime comme prévu, seulement je vous accorde une semaine de congé, vous en avez besoin. Voici votre prime de ce mois, allez vous reposer, on se voit la semaine prochaine. Je prépare mon sac pour m'en aller et je suis prête. En même temps je reçois un message qui me fit sourire, Gabriel me demande de sortir, il est venu me chercher comme presque chaque jour. Bon week-end Lisa, bon week-end à tous, je file dès on me cherche ici. Salut ma beauté, tu rayonnes comme toujours. Et toi, toujours aussi flatteur. Alors qu'est-ce que tu voulais me montrer? Merde, tu fais semblant de ne rien voir hein. Pam regarde cette beauté. Mon père vient de m'en faire cadeau et je suis venu te chercher pour une balade. Waouh, c'est magnifique mais tu passes ton temps à collectionner les voitures, tu en as déjà assez non? Bon ok, mais ne roule pas trop vite. Pas de problème madame, après accroche-toi car je t'emmène dans un chic restaurant. Et aujourd'hui c'est moi qui assure car tu le fais tout le temps. Ah bon? Oui, Gabriel ralentit, il est vraiment fou. Gabriel est un bon ami à moi depuis quelques années, il a toujours été là pour moi, il me dépanne en cas de besoin. Lui c'est un gosse de riche comme vous pouvez le constater et un grand aventurier, les gens pensent que nous sommes ensemble mais non, c'est juste un bon ami que j'aime beaucoup, je ne le vois pas autrement que ça contrairement à lui qui n'arrête pas d'insister pour une relation intime. Nous voilà arrivés Miss, les dames d'abord. Merci galant monsieur, j'aime beaucoup ce restaurant. Ok allons nous installer. Quel genre de vin avez-vous ici? Non, apportez-nous plutôt votre meilleur champagne. D'accord monsieur, autre chose. Je ne sais pas encore, je n'arrive pas à faire le choix. Je le ferai pour toi, apportez-nous juste votre meilleure recette, bon il faut qu'on parle. Pas encore Gabi, ce n'est pas le moment. Et quand sera le moment? Pourquoi tu ne me donnes pas une chance Lisa, jusqu'à quand vais-je attendre? Tu sais que je t'aime. Arrête ça Gabi s'il te plaît, tu es comme un frère pour moi et tu le sais. Je n'ai pas besoin d'être un frère pour toi mais plus que ça Lisa. Excuse-moi, je reviens. C'est avec rapidité qu'elle s'éloigna de cette table pour filer dans les toilettes car cette conversation devenait gênante pour elle. Lisa est refermée et timide, elle vit dans sa petite coquille et a peur de faire des erreurs, de vivre une vie de liberté et désintéressée comme les jeunes de son âge car elle a appris à se débrouiller toute seule, la vie ne lui a pas laissé le choix, s'éloigner de ces choses est une façon pour elle de se protéger. Comment je vais expliquer ça à Gabi, pour qu'il sache que je ne veux pas une relation? Quand il est en train de réfléchir, un numéro inconnu l'appelle. Allô, allô, c'est moi Lise. Lise, c'est vraiment toi. Alors comme ça, tu t'es rappelé que tu avais une sœur. Ce n'est pas le moment. Écoute-moi, j'ai encore fait une bêtise. Je suis dans le pétrin cette fois-ci, cette énorme Lisa, viens me chercher à l'aéroport dans une heure. J'ai des choses à te dire que je ne peux dire au téléphone, tu es la seule qui me reste. Tu me fais peur là. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as? Où es-tu et de quel aéroport tu parles? Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler.
Viens à l'aéroport de New York dans une heure. Oh non. Non, attends, Liz. Non, qu'est-ce que tu as encore fait, Liz? Mon Dieu protège ma sœur. Lisa est toujours sous le choc après cet appel mais revient très vite à elle et passe l'eau sur son visage en même temps Gabi venait frapper à la porte. Elle s'essuie le visage avant de sortir pendant que deux jeunes filles font leur entrée. Tu en as mis du temps. Tout ça pour éviter la conversation comme d'habitude, c'est ça? Wow, attends, tu es fâchée contre moi. Lisa, est-ce que tout va bien? Oui, enfin non, ça ne va pas. S'il te plaît Gabi, conduis-moi à l'aéroport. Mais attends, Lisa, dis-moi, que se passe-t-il? Dis-moi quelque chose. C'est, je t'en parlerai en route maintenant, partons pour l'amour du ciel. Ok, calme-toi ma belle. Allons à l'aéroport alors. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire appel à ma sœur jumelle. Je sais que cela pourrait la mettre en danger mais il me faut tout raconter à quelqu'un au cas où je laisse ma peau car ces fils de pute doivent le payer. Ce monde est rempli d'injustices, les gens comme eux s'en sortent toujours et c'est les plus faibles qui payent le prix fort. Je suis Liz Wilson de mon vrai nom et Sarah Anderson de mon nom d'artiste. Mannequin, modèle et influenceuse, il me fallait sortir de cette vie de misère laissée par nos parents, je ne pouvais me permettre d'être pauvre, j'ai toujours été différente de ma sœur et c'est ce qui fait mon charme. Depuis quelques heures je suis en fuite, je viens d'être témoin d'un meurtre. Mon Dieu, j'aurais dû écouter ma sœur et rester à ses côtés, pourquoi suis-je si entêtée? Voici pourquoi je suis en fuite. Mais bien sûr. Ok ma belle, je t'attends à l'extérieur avec le reste des filles. Quelques minutes après, nous nous retrouvons dans l'un des plus grands casinos de Vegas, un lieu rempli de hommes riches comme je les aime, cela m'excite déjà. Un jouet et on s'amusait bien, j'avais besoin d'aller aux toilettes, je suis partie aux toilettes à mon retour je suis choquée de voir, Alex en genoux au milieu de mes trois amis qu'on a déjà tués, je me suis cachée pour observer. Et on demande à Alex. Je vous en prie, ne faites pas ça. Pitié. Qu'est-ce que tu regardes? Qui d'autre se trouve ici? Non, il n'y a personne d'autre que moi ici. Je vous le jure. Arrêtez de perdre votre temps qu'on en finisse. Où se trouvent les diamants? C'est donc toi, enfoiré. Je ne te dirai jamais où se trouvent ces diamants. Dans ce cas, tu vas mourir, mon cher ami. Je finirai par trouver les diamants avec ou sans toi. Je m'occuperai de tes gosses et ton épouse. Tu n'es qu'un, ok, cela se trouve dans mon bureau à Beijing, il y a un passage secret. Merci pour ta collaboration. En ce moment Lisa fait du bruit et on l'a remarqué. Le patron donne l'ordre de l'attraper. Merde, il y avait un témoin. Bande d'idiots, attrapez-la, je l'avais oublié celle-là. C'est en ce moment que j'ai pris la fuite et je me suis déguisé pour prendre l'avion avant de me changer. Quelques minutes après, Lisa est arrivée à l'aéroport avec Gabrielle. Liz, ma sœur. Ne pleure pas, Lisa, ce n'est pas le moment. Que se passe-t-il alors? Qu'est-ce que tu as encore fait? Peu importe ce que j'ai fait, sache qu'ils vont me traquer jusqu'à ce que ma vie s'arrête. Alors écoute-moi bien, j'ai donné le téléphone à un taximan, ce dernier ne va en aucun cas allumer sa tankelue. Sans réfléchir, je cours chercher ma prime dans mon sac qui est chez Gabi. Ce dernier semble perdu me voyant courir et souffler vers lui. Je respire fortement pour reprendre mon souffle avant de... Passe-moi, mon sac. Gabi, il faut que je retourne à l'intérieur. Ok, mais dis-moi d'abord ce qui se passe. J'espère que ce n'est pas très grave. Lisa, attends, que se passe-t-il? Gabriel, il faudrait que je retourne à l'intérieur chez ma sœur. Je suis arrivée, mais... Je la vis nulle part. Je sens que mon cœur va exploser tellement ça veut sortir de ma poitrine. J'ai du coup le vertige et le regard perdu, je laisse Trainer mes yeux mais elle n'y est pas, les filles présentes me regardent telles une folle. Liz, Gabi, dis-moi est-ce que tu as vu ma sœur? Où est-elle? Comment ça? Tu ne lui avais pas laissé ici. Ne pleure pas ma belle, elle est peut-être partie. Impossible, elle ne pouvait pas s'en aller sans avoir de l'argent, elle n'a plus rien avec elle. Gabi, j'ai peur pour ma sœur, j'ai peur qu'il lui arrive quelque. Non, rien ne lui arrivera et puis pourquoi as-tu si peur? Que t'a-t-elle dit? Je ne peux lui répondre, je ne sais pas si je dois lui dire ou pas. Je suis complètement perdue, je ne me sens plus bien là. J'ai toujours les yeux qui traînent au cas où je l'aperçois à nouveau, tel est mon souhait. Mon Dieu veille sur ma sœur, il ne me reste qu'elle dans cette vie. Ok, comme tu refuses de me parler, il faut aller rester dans la voiture m'attendre.
Ok. En ce moment, les hommes qui poursuivaient Liz sont arrivés à l'aéroport et ont commencé par poursuivre Liz. Liz à courir est fatiguée et est tombée à son réveil. Elle se trouve devant les brigands qui le poursuivent. Bon sang, que me voulez-vous? Laissez-moi tranquille. Tu vas la fermer. Il s'approchait pour me battre, une voix autoritaire l'arrêta. Assez comme ça, salut ma beauté, vois-tu, je n'ai rien contre toi mais, tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, j'ai de la peine de devoir prendre ta pauvre vie. Va te faire foutre pauvre imbécile, tu ne paies rien pour attendre quoi, vous pensez me faire peur, je n'ai plus rien à perdre, qu'on en finisse. Bravo, tu as de l'audace, dommage que je n'ai pas le temps de jouer. Maintenant dis-moi où tu caches la vidéo, parce que je sais que tu as fait une vidéo. À voir votre tête, on dirait que vous avez peur. C'est bien, vous devriez avoir peur car je ne vous dirai jamais où je l'ai caché, je préfère encore crever. Ne raconte pas de bêtises, petit sotte. Dis-moi où as-tu caché ton téléphone. Si tu coopères, ta vie sera épargnée. Maintenant dis-moi où ça se trouve. Non, ne sois pas stupide, donne-moi cette vidéo. Pardonne-moi Lisa, j'aurais aimé rester avec toi mais encore une fois, je vais devoir m'en aller et cette fois-ci pour toujours car hors de question que je les laisse gagner, tu connais déjà où se trouve le portable, je compte sur toi pour que justice soit faite. Ces monstres doivent payer, si je leur donne la vidéo, ils vont me liquider, si je refuse, ils finiront par me liquider également, donc c'est mieux pour moi d'en finir, je t'aime Serette, pardonne-moi. Je venais de me jeter dans le vide les laissant choqués, j'ai l'impression de voler pour la première et dernière fois avec un sourire et là, plus rien. Non, non. Lisa, tu me fais peur là, qu'est-ce que tu as encore? Allons à l'intérieur, tu as besoin d'un repos. Ils sont descendus de la voiture et sont rentrés à l'intérieur, là où elle vit avec ses amis, Daniela l'une de ses amies est choquée de la voir dans cet état. Gabi, Lisa, que se passe-t-il? Qu'a-t-elle? Je l'ignore. Elle a hurlé ensuite rien Lisa dit quelque chose je t'en prie. Parle-moi. Lisa, oh ma puce pourquoi pleures-tu ainsi? Que l'as-tu fait Gabi? Attends ça va pas, comment oses-tu me poser cette stupide question? Stupide toi-même, je te demande parce qu'elle est raccompagnée par toi idiot. Daniela fais attention. Non, non, Lise, pourquoi, Lise? Elle est dans tous ses états. Pour la calmer, ses amis ont fait une heure du temps et tout leur possible pour qu'elle cesse un court instant de pleurer. Cette dernière se calme avec plusieurs hoquets et tremble comme une feuille. Il faut la conduire dans sa chambre. Elle a besoin de se reposer, ma pauvre chérie. Elle ira mieux demain. Il faut juste qu'elle dorme un peu. Essaie de lui amener de l'eau en versant du somnifère pour qu'elle trouve le sommeil. Essaie de te reposer, Lisa. Voici de l'eau. Lisa essaie de boire l'eau. Avec l'aide de Gabriel, Daniela a réussi à lui faire avaler de cette eau et l'allonge en lui couvrant le drap. Gabi se mit debout devant la fenêtre, main dans les poches, on sent qu'il est triste et en colère de ce qui se passe. Elle ira mieux demain, tu verras. Laissons-la dormir. Je ne pense pas pouvoir rentrer chez moi ce soir, je vais dormir sur le sol. En est sûr, ok, je vais te chercher les draps. Oui, j'arrive. Daniela sort de la chambre pour aller chercher le drap, son ami Kevin vient de rentrer. Salut beauté, viens là toi. Le Big Boss est affamé. Non mais arrête, pas ce soir Kevin. Quoi, c'est une blague j'espère. Eh bah tu te trompes salope car je vais te faire l'amour c'est le soir. Et je sais que tu en meurs d'envie, viens que je te fais l'amour. Arrête j'ai dit, Lisa ne va pas bien. Je ne peux pas. Attends quoi, tu me repousses à cause de la Sainte Vierge. On s'en fout d'elle. Cette Sainte Vierge est mon amie. Alors va-t'en d'ici s'il te plaît. Lâche-moi Kevin. Tu me fais mal. Kevin est en train de forcer Daniela quand Gabriel sort de la chambre et les aperçoit au salon. Et dit à Kevin. Lâche-la imbécile. Sors d'ici fils de pute avant que je te casse la gueule. Va te faire enculer Gabi. Regardez-moi un mec qui n'arrive pas à faire l'amour à la meuf qu'il dit ailleurs depuis des années. Fils de pute merde. Je peux savoir ce qui t'a pris. Tu n'avais pas à t'en mêler, merde. Quoi, c'est une blague, ce connard te traite comme de la merde et toi tu es contente de ça. Allez femme. C'est ainsi que la nuit passa. Le lendemain matin, au réveil de Lisa, elle décide d'aller à Las Vegas chercher ce taximan. Ne pouvant la laisser aller seule, Daniela et Gabriel décident de l'accompagner. La nouvelle de la mort de Lisa a été annoncée. À peine arrivée à l'aéroport de New York pour Vegas, une grande foule et les médias tombent sur Lisa.